Bonjour, je m'appelle Ariane Dautrive. J'ai ouvert ma première galerie il y a 10 ans à Saint-Gilles. Et maintenant, depuis 5 ans, je suis au Quai des Péniches 69, dans la tour Upside, au 24e étage. Donc c'est un espace qui présente les œuvres in situ, qui donne l'impression donc, qui peut donner une idée aux visiteurs de ce que peut donner une œuvre chez eux. Donc principalement c'est ça. J'expose des artistes femmes depuis le début. Et donc actuellement l'exposition s'appelle La vie en rose. Et pourtant, et c'est une exposition de Cecilia Chichan. Qui dure jusqu'au 15 décembre, qui sera peut-être prolongée pendant les fêtes, enfin ça, je vous tiendrai au courant. Et donc, elle a commencé en novembre. L'exposition, on peut la visiter sur rendez-vous. Donc, il faut m'envoyer un mail au info@arieldautrive.be. Voilà, donc je vais un peu vous parler de Cecilia. Donc Cecilia Chichan est née en 1969, elle vit en Belgique, elle travaille aussi en Belgique. Elle a déjà une carrière importante qui a commencé en 2006, les premières expositions datent de 2006. Et c'est la deuxième exposition dans la galerie. Donc, on a fait une exposition en 2017. Et donc, voilà, celle-ci est la deuxième exposition solo. Donc, elle a aussi participé à plusieurs expositions collectives et aussi plusieurs expositions dans des centres culturels tels que l'ISELP, la Médiatine à Woluwe-Saint-Lambert, le centre culturel Jacques Franck, le centre culturel de Scarbeck, et voilà, et donc d'autres endroits, voilà. Mais ça, vous pouvez avoir accès à l'information sur le site de la galerie. Il y a la vidéo, la bio de Cecilia et aussi des photos de l'exposition de certaines œuvres. Voilà, bon, mais maintenant, on va commencer à faire une petite interview, une explication de ce qui est exposé dans la galerie en ce moment. Donc, cette série s'appelle « La vie en rose et pourtant ». Elle traite de récits de vie d'enfants, fictionnels. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce travail ? Oui, ben voilà, donc moi je travaille essentiellement sur l'enfance. Ça a démarré il y a quelques années sur les souvenirs des enfants. Et je poursuis toujours ce travail sur l'enfance, ce qu'il vit, ce qui lui arrive. C'est un thème que je poursuis depuis de longues années et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Ouais. Et donc, en fait, ce sont des histoires qui sont des personnages réels, des histoires fictives, enfin des romans, des textes. Comment est-ce que d'où vient ton inspiration ? En fait, c'est une inspiration qui vient depuis des années, qui se construit par un tas d'expériences, d'observations, de lectures, de photos que je fais moi-même, des photos que je prends dans l'actualité. Il y a tout un ensemble de matières qui vient se confondre et s'ajouter à mon expérience. Je lis énormément aussi, mais ça peut être un livre, une vraie histoire. Ça peut être aussi une anecdote relevée dans un fait divers. Donc il y a vraiment une matière comme ça qui vient... s'agglutiner ensemble depuis des années. Oui, c'est ça. Voilà. Beaucoup d'informations, beaucoup d'images, des images que moi aussi je fais. Je prends des photos partout où je vais, je les découpe, je fais ce qu'on appelle des photomontages, des photocollages, et ça vient comme ça nourrir mon imaginaire pour recréer cet univers auquel que j'ai envie de partager surtout. Et donc ces personnages, ces enfants qui sont sur
sur les tableaux, ce ne sont pas des personnages réels ou bien ils existent réellement enfin, Ah, il y en a qui existent réellement. Il y a même des peintures de mes enfants, mais ce n'est pas mes peintures, ce n'est pas mes enfants que je peins. C'est vraiment un prétexte par la position suggestive qui va venir vraiment rencontrer ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie de dire. Il y a des vraies images, oui, bien sûr. Et il y a des gens qui peuvent se reconnaître éventuellement, non? Ça, c'est un peu difficile. Peut-être les gens qui me connaissent vont reconnaître des peintures, parce que je me mets aussi en scène. Il y a des peintures de mon enfance, de mon histoire, mais ce n'est pas le sujet. Non. Je ne parle pas de mon enfance à travers mes peintures, mais il y a vraiment des photos parfois qui sont vraiment très enfin, qui vraiment viennent suggérer. Oui, enfin, qui viennent vraiment rencontrer mon propos. Oui. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, on en avait parlé déjà, tu écris un texte sur chaque œuvre. Oui. Donc, il y a vraiment un récit, il y a un carnet dans lequel chaque œuvre est, c'est le récit de l'œuvre. Je ne sais pas comment, parce que c'est technique à la fois et aussi l'histoire elle-même. Oui, tout à fait. Donc, pour chaque peinture, j'ai vraiment j'ai des carnets où j'écris tout. Donc, tout est déjà même conceptualisé, pensé. Après, dans le faire, c'est très différent. Ça, j'avoue qu'il y a des imprévus, mais je note mes couleurs, je note mes idées. Quand je retravaille sur une œuvre, je note ce que je veux changer. Donc, il y a vraiment un terreau... Oui, c'est très intéressant cette idée du carnet. Oui, en fait, donc c'est quelque chose que tu fais depuis toujours, d'inscrire ce que tu... Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose. En fait, curieusement, pour ce genre de choses, je suis très structurée et je structure mon travail. Mais tu es quelqu'un de très structuré. Oui, en fait, il y a vraiment une dimension de la structure parce qu'en fait, c'est ma mémoire. J'ai besoin de retrouver ce que j'ai fait même il y a 20 ans. Ouais. Parce que ça peut revenir. Je peux retravailler même sur une peinture d'il y a 20 ans et en refaire même une nouvelle sur une image qui m'a touchée il y a 20 ans. Donc c'est vraiment en continuel mouvement. Il n'y a pas de séparation en fait. Ce que je faisais il y a 20 ans, 10 ans, se retrouve aujourd'hui dans mon travail. Il y a comme une continuité. Oui, et il y a aussi quand même, enfin là on va partir sur autre chose, c'est qu'en fait je me dis que là tu as ce travail sur l'enfance, ça c'est ce que j'ai exposé jusqu'à présent, tu as donc à côté un travail tout à fait différent, qui est plus abstrait, donc c'est assez intéressant aussi de passer de l'un à l'autre. Mais en fait l'idée en fait c'est que depuis toujours je travaille... l'abstrait et le figuratif en même temps. Je n'arrive pas à me départager, je n'arrive pas à choisir une voie parce que je suis appelée, il y a vraiment une impulsion et j'ai vraiment des impulsions créatives mais qui viennent aussi vraiment nourrir mon propos et ma façon de travailler. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment complémentaires. Mmh. Et par moments, je suis plus dans mon figuratif et je travaille plus la technicité, mais après on la retrouve dans mon abstrait et dans mon abstrait vice versa. Donc il y a vraiment ça se nourrit. Oui, ça se sent, hein, parce qu'en fait là je voulais passer à quelque chose plutôt la technique, le fait que je voulais savoir pourquoi d'abord tu utilises de l'acrylique, quelle est ta technique de peinture, si tu as des influences et comment. Pourquoi tu choisis ce genre de façon de peindre, enfin disons, tu peux me parler un peu de tout comme ça vient. Alors moi je suis quand même influencée par la technique classique, donc en fait les fondus, les glacis, couche sur couche, qui viennent petit à petit. Il faut savoir aussi que j'ai aussi fait de l'huile et que j'ai fait aussi beaucoup d'aquarelles. Donc il y a vraiment cette idée de laisser venir la peinture par le fond. Il y a vraiment une envie de vraiment travailler en superposition de couches, en finesse.
Oui, c'est ça l'idée aussi des fonds. Moi, je trouvais, enfin, on en a un peu discuté, j'aime beaucoup les fonds. Et puis beaucoup de gens qui ont vu ton travail aiment énormément ton travail sur les fonds. Et ça évidemment, c'est lié aussi à un travail par rapport à la peinture ancienne. On travaillait beaucoup plus les fonds qu'actuellement. Donc j'imagine que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi aussi. Oui, c'est vrai. Je regarde, enfin, j'ai quand même quelques notions d'histoire de l'art. Donc je me suis intéressée aussi à la peinture classique. Et effectivement, le fond est pour moi très important, étant donné que je travaille le fond de manière à ce qu'il soit dans le tableau, donc il y participe, mais qu'il ne prenne pas toute la place parce que je souhaite accentuer le regard sur le personnage puisque c'est mon propos. Je pense à Bacon qui disait moi mon fond participe à l'œuvre. J'aime ça aussi. Tout à fait. Ça donne une base, quelque chose d'un peu solide, tout en étant léger. Donc il y a vraiment un mélange de techniques. Actuel, bon, il y a le faire aussi, de pratiquer, il y a quand même aussi... Bah oui, c'est ça, tu as déjà une carrière longue et fructueuse, donc évidemment, tu as eu le temps de travailler le fond. Et maintenant la forme, alors... oui, tes personnages... moi je trouve intéressant la couleur dans ton travail. Je trouve que vraiment tu as un choix de couleurs très original des associations. Cette exposition est basée quand même sur le rouge et le rose associés, ce qui n'est pas si évident que ça quand même. Je voulais voir, est-ce que tu peux parler un peu de la raison d'être de ces couleurs et puis peut-être de la lumière, parce qu'on avait parlé de ça aussi. En fait, à la base, pour moi, le rose et le bleu un peu pastel, c'est les couleurs de l'enfance. Donc, comme tout a démarré là, il y a quelques années, j'ai gardé ces traces-là. Jouer avec ces températures de couleurs différentes viennent aussi aider à mon propos et leur donner une force, un peu une opposition. Le rouge aussi a pour moi cette connotation un petit peu dramatique, un petit peu forte, qui vient donner un choc et percuter le regard du regardeur, en fait. Donc il y a vraiment l'idée de mélanger la douceur, le calme, tempéré à l'enfance et des choses beaucoup plus fortes qu'un enfant ou un adolescent vit... Ah oui, c'est ça, c'est une période difficile, hein. C'est une période où on n'est pas très, très à l'aise, donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi un travail sur ça, c'est pour ça que tu as choisi l'enfance par rapport au sentiment un peu de... Enfin, les enfants sont dans une situation parfois un peu compliquée dans tes œuvres aussi. Peut-être on pourrait voir un peu ce que tu penses à propos de ça. Ce qu'il faut savoir aussi, quand même, j'aimerais quand même repréciser, c'est que ça n'a pas vraiment été un choix de choisir l'enfance. Ça s'est un petit peu présenté. C'est-à-dire que la passion et l'envie de faire de la peinture passaient à travers le sujet de l'enfance. Et j'y prenais énormément de plaisir et ça m'intéressait parce que je trouvais qu'il y avait des choses à dire dans la subtilité, dans la finesse, dans la violence aussi. Et ça me parle, c'est un peu quelque part obsessionnel. Donc, certaines personnes m'ont dit que cette exposition-ci était plus violente que la précédente. Donc c'est qu'il y avait peut-être une envie d'exprimer quelque chose de, disons, un peu plus violent cette fois-ci. Mais c'est pas seulement cette fois-ci, il y a quand même une trame... Oui, c'est ça, tu m'as expliqué, il y a quand même, pas une chronologie, mais plutôt une montée en violence, disons, plus on monte. Alors la mezzanine, plus c'est violent. Voilà, ici il y avait une volonté aussi pour l'exposition de rentrer, on rentre dans l'exposition, ça va, tout se passe bien,
c'est sympa, c'est cool. Et puis au fur et à mesure qu'on monte ou qu'on rentre dans l'exposition, on monte. Et là, il y a une force qui se dégage. Et vraiment, elle est graduelle. Ouais. Et, là, c'est essentiellement pour l'exposition, mais je pense que j'ai quand même toujours fait des enfants où parfois ça peut être violent, mais je ne sais pas forcément montrer aussi. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a un mélange. Il y a une peinture qui date de 2017, il y en a une qui date de 2011. C'est pas forcément. Oui, c'est vrai, oui, ça j'ai oublié de dire. Il y a des œuvres qui datent déjà. Enfin, il y en a une, je crois, qui est vraiment plus ancienne. Oui. La majorité, c'est quand même 2019 et 2020. Hein. Mais il y en a une ou deux de 2017. Et effectivement, mais enfin, ça a été quand même conçu spécialement, les œuvres ont été conçues pour l'exposition. Principalement. Les œuvres n'ont pas été conçues pour l'exposition. Non. Enfin, tu m'as dit que tu travaillais beaucoup. Oui, je travaille beaucoup, mais en fait, les œuvres, elles sont. Je travaille comme ça, mais pour l'exposition, la scénographie a été pensée. Oui. C'est la scénographie qui a été pensée de manière à guider le spectateur vers une forme d'émotion beaucoup plus intense quand on arrive effectivement à la mezzanine. Mm-hmm. Mais mon travail est une suite. Oui, c'est vrai que tu travailles tout le temps. Voilà. Ouais. Il y a une continuité dans mon travail qui est dans cette dynamique-là jusqu'à maintenant. Mais c'est la scénographie. Ça, c'est... Oui, enfin, quand même, si ce sont principalement des œuvres qui datent des deux dernières années, c'est quand même qu'il y a, dans ta façon de travailler en ce moment, qu'il y a quelque chose, une évolution. Ça, c'est sûr. C'est certain. On est d'accord. Même si ça n'a pas été conçu tout à fait pour l'exposition, mais enfin bon, c'est quand même un but. Enfin voilà, donc, qu'est-ce qu'on avait encore d'autres questions je pense que... Ah oui, est-ce que tu as des influences? Oui, en fait, j'ai des influences quand même classiques. Moi, j'aime beaucoup Manet. Les blancs de Manet, ça c'est quelque chose qui me passionne, que je trouve très intéressant justement d'intégrer la lumière, tout comme Fra Angelico, qui lui justement aussi dans l'Annonciation, il y a cette confrontation avec cette lumière que j'essaie d'intégrer dans mon travail. Il y a aussi Hélène Frankenthaler, qui est une artiste qui travaille beaucoup, ça m'a assez impressionnée aussi, elle travaille avec des coulées au sol, etc. Et c'est quelque chose que je trouve qui vient nourrir mon propos sur l'enfance, cette fluidité, cette légèreté, tout en étant confrontée à cette dureté. Donc il y a des paradoxes picturaux et des paradoxes intérieurs et internes à l'enfance. Mm-hmm. Et j'essaye de faire jouer ces oppositions. Et alors, il y a aussi James Ensor. Moi, à l'époque, quand j'ai vu son exposition aux Beaux-Arts, c'est vraiment... c'est rose, c'est rose sale, parfois même. Enfin, c'est confrontation de blanc coloré ont vraiment fait démarrer ma démarche dans ce sens-là. Et puis, alors, il y a aussi... Robert Heyman, ces blancs colorés qui sont assez fantastiques et qui viennent en sous-couche. Donc il y a aussi toujours cette idée de sous-couche qui est liée aussi à l'enfance et qui viennent se superposer et se rejoindre à travers la peinture. Il y a vraiment une imbrication entre... Enfin, j'essaye d'imbriquer ma peinture et le propos. Et c'est pour cela que j'arrive à ce genre de texture. Mais oui, on avait parlé aussi du fait que c'est presque minimaliste, enfin, ton travail, donc c'est surtout sur le fait qu'il n'y a rien d'anecdotique dans ton travail en réalité. On pourrait croire le contraire, mais non. Oui, en fait, il y a une simplicité du geste que j'essaye d'obtenir de manière à ne pas charger la peinture, que ce ne soit pas lourd. Oui, et pas qu'on ne se perde pas dans des détails qui n'ont qu'une raison d'être, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait croire que, justement, comme il y a une histoire, on pourrait se dire qu'il y a une anecdote derrière, mais non. J'essaye d'éviter. C'est pas le cas. Il y a quand même aussi une forme de narration, quelque part. Hein. Oui, quand même. Il y a quand même une narration, puisqu'il y a quand même un fil conducteur qui traite de ce sujet sur l'enfance.
Mais pas totalement quand même, il y a quand même du mystère. Enfin, Ah oui, ça c'est très mystérieux. Oui. Oui. Alors en fait, une chose aussi que je voulais te demander, c'est pourquoi tu ne donnes pas de titre aux œuvres? En fait, il y a une volonté aussi de ne pas enfermer le regardeur dans une façon d'interpréter l'œuvre. Parce que chaque personne va regarder le travail avec son ressenti, son interprétation. Et si je lui mets une œuvre, je l'enferme. C'est une manière d'ouvrir et de... C'est comme une liberté. Donc, chaque personne, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il ressent, de ce qu'il aime, de tout ce qui lui appartient, va décrypter l'image à sa manière. Et ça, c'est... Oui. Enfin, ça, les visiteurs, effectivement, se racontent beaucoup d'histoires quand ils viennent voir les œuvres. C'est impressionnant à quel point chacun a son propre récit par rapport aux œuvres qui sont présentées. Et le fait qu'il n'y ait pas de titre, effectivement, ça leur permet peut-être une appropriation de l'œuvre d'ailleurs aussi. Voilà, parce qu'en fait, ça c'est aussi quelque chose d'universel. Donc, je parle aux regardeurs, donc j'ai envie qu'ils se sentent concernés. Donc, à un moment donné, une fois qu'on expose son travail, il est lâché, il est donné, il ne m'appartient plus totalement. Et à la limite, parfois, j'ai pas besoin je ne devrais pas trop expliquer, mais c'est une demande actuelle, je le sais, mais parce que quelque part, tout ce que j'écris dans mes carnets, tout ce que je conceptualise... Ah bah si un jour on fait une rétrospective, ce sera très intéressant, les carnets. Voilà, à la limite, ça, j'ai même pas toujours envie de partager parce que une fois que c'est exposé, l'œuvre fait sa propre vie avec. Oui. Une petite musique. Bon, ben, je pense que là, on a fait le tour, il me semble. Voilà, je crois que ben, je vais vous dire au revoir. Et puis, donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez voir l'exposition. Donc, je peux aussi vous envoyer un PDF avec les œuvres qui sont exposées. Donc, oui, vous avez une page Facebook de l'exposition, et mon site donc, qui est. www.arieldautrive.be. L'exposition donc La vie en rose et pourtant, ça c'est, il y a une page Facebook et puis il y a aussi une page Facebook pour la galerie, donc Ariel Dautrive Galerie, pas l'autre, pas Galerie Ariel Dautrive parce que là je n'y vais jamais, mais Ariel Dautrive Galerie c'est la page de l'exposition, enfin, et de l'ensemble de la galerie. Il y aura certainement encore des informations sur la page Facebook et peut-être un live bientôt, visite guidée de l'exposition, enfin visite avec Cécilia. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.